Hello, cher réseau, comment ça va? Bon lundi et très très bonne semaine à vous tous et à vous toutes. Très content encore une fois. Donc, on se rejoigne cette semaine pour tout simplement vivre une semaine extraordinaire, une semaine bénie, une semaine de transformation, une semaine vraiment où on va poser. Les pour et les contre de ce qu'on va mettre en place, hein, des actions qu'on va mettre en place et de tout ce qu'on va viser pour notre réussite, la réussite des autres, pour nos projets, la réalisation de nos projets, etc. Donc très content ce matin encore une fois. J'ai beaucoup de gratitude de me réveiller ce matin et de pouvoir faire cette vidéo et de parler avec vous et de tout simplement de vous dire que je suis très content de savoir qu'on est ensemble pour encore une très très belle semaine qui débute avec nos projets, avec tout ce qu'on a comme idée, comme vision, etc. Voilà. Ce matin, dans cette vidéo, ce que j'aimerais en fait partager avec vous, c'est... je faisais ma réflexion ce matin dans mon temps de méditation. Donc, et puis, j'ai pensé avec cette phrase qui dit que... C'est ce que j'ai écrit. Pour impacter, il faut une action impactante. Donc, une action impactante. Et en réfléchissant, comment je peux avoir une action impactante? Une action impactante, ce n'est pas une action qui va être dans la complexité, qu'on va compliquer des choses, qu'on va compliquer sa vie en pensant qu'on va impressionner par la complexité des choses. En fait, une action impactante, ça va être quelque chose qui va être simple. Mais être simple... mais venant d'un cœur assoiffé de transformation, assoiffé de changement. Et c'est comme ça aussi qu'on va amener une action impactante. Je me rends compte que mieux qu'on va chercher la simplicité dans notre vie, mieux qu'on fait des choses extraordinaires. Ben, parce que souvent, la majorité des gens vont chercher toujours à se compliquer les choses en pensant que... autant que ça va être compliqué, autant que ça va être impressionnant. Mais sauf que les gens vont pas retrouver tout ce qui vient de notre vraiment au plus profond de nous-mêmes, puisqu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire, c'est qui vont attirer l'œil, mais pas au niveau du cœur. Ça va pas attirer vraiment. Les gens peut-être vont voir c'est beau. C'est beau au niveau des yeux, mais au niveau du cœur, il y a moins quelque chose. Donc, du coup, ça fait que une action impactante va découler d'un cœur assoiffé de changement, de réaliser des choses extraordinaires et qui va toujours chercher à se simplifier et à vivre une vie en accord avec les valeurs et ce qu'on veut devenir. Ce que je disais également, je disais parce que cette simplicité va nous amener à de l'efficacité, parce que cette simplicité va nous aider également à ne pas se compliquer la vie. Et c'est là que le cerveau va être beaucoup plus intuitif, beaucoup plus inspirant, et le cerveau va avoir beaucoup plus de créativité parce qu'on est simple. Je faisais un coaching semaine dernière avec un client et que cela faisait déjà plusieurs semaines qu'il n'arrivait pas à trouver son offre de coach et qu'est-ce qu'il veut apporter vraiment aux gens. En travaillant, en creusant, il s'est rendu compte qu'il a certaines choses de très simples, des choses très très simples dans sa vie, mais qui lui donne une énergie incroyable. Donc, et du coup, en discutant avec lui, puis en le questionnant, il a sorti une phrase qui... Et tout de suite, je me suis dit, waouh, là, tu viens de dire quelque chose de puissant, là. Et de par cette phrase, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu en penses si tu utilises cette phrase pour créer ton offre? Et il a dit, mais en fait, c'est ce qui me parle. Et du coup, je viens de le sortir. Je lui ai dit, est-ce que tu peux l'écrire? Parce qu'il a dit, il a sorti la phrase de manière, enfin, sans même s'en apercevoir. Moi, en étant à l'écoute active, j'ai pu repérer tout de suite sa phrase qui était une phrase très puissante. Et puis, de là, je lui ai dit, mais au final, tu as ton offre. Hein?
Elle a dit, mais punaise, mais c'est ce que j'arrive pas à... Ce qui est incroyable, c'est que tant que je vais simplifier les choses, tant que j'ai des résultats, j'ai des choses qui sortent de manière incroyable. Ben, je lui dis, ben, généralement, tout est déjà en nous, en fait. Parfois, on va se compliquer parce qu'on a des configurations, des choses extérieures qui nous donnent une configuration des choses. On va penser que les choses sont comme ça parce qu'on avait visualisé, on avait déjà observé quelque chose dans le temps, dans la vie, dans l'espace qui était comme ça, et puis on pense qu'on devrait faire comme ça. Et c'était incroyable pour lui de voir comment il était dans ses, dans ses, en fait, dans ses meilleurs, son meilleur état. Et il était vraiment très à fond parce qu'il a trouvé, il avait trouvé ce qu'il fallait. Et c'était quelque chose de très, très simple. Je ne vais pas en parler là, mais c'était quelque chose de très simple. Aujourd'hui, donc, si tu as envie d'impacter, donc j'aimerais te dire que tu as... tu devrais avoir pour objectif une action impactante. Et une action impactante, pour l'avoir, commence par ton don ultime. Commence par ce qui décrit ton histoire. Commence par les choses les plus simples de ta vie. Les choses les plus simples qui décrit tout ce que tu es. Et comme ça, tu verras que de là va venir des choses les plus incroyables. Donc, je te souhaite une très, très bonne journée, très bon lundi, très, très bonne semaine à toi. Profite de chaque instant que la vie t'offre, au lieu de râler, au lieu de se plaindre, au lieu de chercher à mettre la faute sur les autres, trouve plutôt la chose la plus simple à faire pour que les choses changent pour toi définitivement. Je te souhaite une très très bonne semaine et je te dis à bientôt. Merci d'exister.